FC Barcelone, une énorme recrue à 0 euros déjà planifiée pour 2024. Polémique, malgré l'arrivée de Cancelo, grosse tension avec Manchester City. Boum, Laporta est totalement sous le charme de Félix, qui a fait un geste dingue pour venir. Barça, Robert Lewandowski détruit les arbitres de Liga. Mercato, le Barça vend Easy Abdé, mais, officiel. Vamos CULERS le calendrier de septembre. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne YouTube, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Bientôt en fin de contrat avec le Bayern Munich, le roi Sané serait toujours sur les tablettes du Barça. Toujours en discussion avec l'Atlético Madrid pour un éventuel prêt de Joao Félix, 23 ans, le Barça garde un œil sur d'autres pistes dans le secteur offensif. D'après les informations du journaliste de Bild, Christian Falk, le FC Barcelone aurait manifesté de l'intérêt pour le roi Sané, 27 ans. L'attaquant allemand aurait communiqué au Bayern Munich sa décision de rester avec le club cette année, toutefois, il demeure incertain quant à son avenir pour l'été prochain, vu qu'il a seulement un an de contrat restant et que sa situation à long terme demeure floue. Sané envisagerait d'évaluer la tournure des événements au cours de cette saison, et s'il ne se sent pas à l'aise à Munich, il n'écarte pas la possibilité d'un départ. Le FC Barcelone suit attentivement l'évolution de la situation. Malgré l'arrivée de Joao Cancelo, les relations ne seraient plus si bonnes entre le Barça et Manchester City. Cet été, le FC Barcelone a réussi dans les derniers jours du mercato à boucler l'arrivée en prêt de Joao Cancelo. Un renfort de poids pour les Blaugrana au poste de latéral droit, eux qui ont eu quelques carences à ce poste ces dernières années. Pour autant, malgré un accord trouvé avec Manchester City, qui a mis du temps à se mettre en place, les relations avec les Citizens en auraient pris un coup cet été selon les informations de Mundo Deportivo. Avec un champion d'Espagne bien énervé. City aurait agacé le Barça. Tout d'abord, on resterait ferme sur la position de Xavi, qui affirmait récemment que les Sky Blues n'avaient pas voulu prêter le Portugais l'hiver dernier. Si Pep Guardiola a depuis démenti, la version barcelonaise n'aurait pas changé. Le refus net de négocier pour Bernardo Silva aurait été moyennement apprécié aussi tandis que les approches pour Lamine Yamal, Alejandro Balde et Pau Cubarsí n'auraient pas été du tout du goût des culés. Autant dire que les deux clubs ne négocieront peut-être plus aussi facilement qu'avant. Pour résumer, malgré l'arrivée de Joao Cancelo, les relations ne seraient plus si bonnes entre le Barça et Manchester City. Le champion d'Espagne serait remonté contre son homologue anglais en raison de certaines attitudes. Joan Laporta, le président du FC Barcelone, serait déjà totalement sous le charme de Joao Félix. Joao Félix a réalisé son rêve. Alors qu'il exprimait pour Fabrizio Romano son désir de rejoindre le FC Barcelone en juillet dernier, l'international portugais a finalement réussi à s'engager avec les Blaugrana le dernier jour du mercato. Prêté par l'Atlético Madrid, Mundo Deportivo nous apprend qu'il a réduit son salaire de moitié pour assouvir son désir de porter la tunique barcelonaise. Laporta déjà sous le charme de Félix. Une chose est en tout cas certaine, l'ancien joueur de Chelsea a déjà mis le président Joan Laporta dans sa poche. Ce dernier l'adore déjà alors qu'il lui rappellerait un certain Johan Cruyff. Il ne douterait d'ailleurs pas un instant de sa réussite en Catalogne, convaincu que le style de jeu prôné par le Barça lui conviendra bien mieux qu'à l'Atlético Madrid. Charge désormais au nouveau numéro 14 du Barça de donner raison à son président. Pour résumer, Joan Laporta, le président du FC Barcelone, serait déjà totalement sous le charme de Joao Félix. Il ne douterait pas un instant de sa réussite au Barça, convaincu que le système de jeu lui conviendra à merveille. Dans un entretien accordé à Eleven Sport, Robert Lewandowski, 35 ans, s'est exprimé sur l'arbitrage de Liga, qu'il juge contre-productif vis-à-vis de la renommée du championnat. Robert Lewandowski vit un début de saison en demi-teinte. Bien qu'il soit parvenu à ouvrir son compteur but sur la pelouse de Villarreal la semaine dernière, l'attaquant polonais se procure un très faible nombre d'occasions. Comme il l'analyse lui-même pour Eleven Sport, il considère ne pas disposer d'assez de soutien et est donc contraint à se démener pour se créer des opportunités. Un constat qui pourrait être amené à évoluer très rapidement, alors que le Barça s'est renforcé en recrutant notamment Joao Félix, 23 ans, et Joao Cancelo, 29 ans, dans les dernières heures du mercato. Deux profils très offensifs qui apporteront de la présence dans le dernier tiers du terrain et permettront certainement à l'ancien Bavarois de plus s'atteler à sa tâche principale, marquer des buts. Mais selon Lewandowski, l'arbitrage pèse également dans ses prestations mitigées de début de saison. Lewandowski, les arbitres tuent la Liga. C'est ainsi que dans cette même interview à Eleven Sport, l'avant-centre a tenu des propos forts à ce propos. La Liga n'est pas assez attractive, ni assez offensive. Les arbitres tuent la Liga, estime-t-il. Mais comme indiqué, Lewandowski critique également le jeu proposé par les différentes équipes du championnat. Selon lui, trop nombreuses sont celles à éviter le jeu, à évoluer en bloc bas. Il n'en demeure pas moins que le joueur de 35 ans doit trouver des solutions pour retrouver de sa splendeur. En déplacement sur la pelouse d'Osasuna ce dimanche, 21h, le FC Barcelone tentera de revenir à 2 points du Real Madrid, tombeur de Retafe ce samedi, 2-1. À El Sadar, Osasuna n'a encore remporté aucun de ses 2 matchs officiels cette saison, défaite face à l'Athletic Bilbao et au Club Bruges. Un dimanche de première. C'est fait pour Easy Abdé. Dans la toute dernière ligne droite de ce mercato estival QV 2023, le Barça a finalement accepté de lâcher sa pépite au Betis Séville. Mais pas à n'importe quelle condition. Vendredi, nous évoquions son souhait de rejoindre le club andalou.
Le jeune international marocain, 21 ans, qui vient de s'engager avec le Bétis jusqu'en juin 2028, aura donc obtenu gain de cause. Au départ pressenti pour y aller sous la forme d'un prêt, il a finalement été acheté par les Verts et Blancs. Montant de la transaction, 7,5 millions d'euros. Les Blaugrana conservent tout de même 50% sur une éventuelle future revente et disposent même d'une clause de rachat. Cela signifie qu'en cas de performance convaincante, le Barça aura la priorité pour le faire revenir en Catalogne. Preuve que l'équipe entraînée par Xavi croit toujours en lui et le lâche sans être pleinement convaincu de sa décision. Il va retrouver du temps de jeu. Aucun compétiteur n'aspire à rester sur le banc de touche. Izzy Abdé en est évidemment un et d'autant plus à 21 ans, un âge où il faut engranger de l'expérience. Son souhait de quitter le Barça est donc compréhensible. Cette saison, le Lion de l'Atlas n'a eu que 66 minutes de jeu à se mettre sous la dent sous le maillot catalan. À Séville, il devrait disputer la majorité des rencontres dans la peau d'un titulaire et disputer l'Europa League. La saison dernière, alors prêté dans les rangs d'Osasuna, il avait réalisé une saison pleine, 34 matchs, 6 buts, atteignant même la finale de la Coupe du Roi. Avant de remporter la CAN U23 avec le Maroc, avec en prime le statut de meilleur buteur.